Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, ravi de vous accueillir également pour un nouveau tutoriel. J'ai décidé d'en faire un nouveau cette semaine, comme un petit cadeau pour vous, en cette période difficile de confinement. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de tendance. Alors c'est un cours qui est destiné plus à un public de traders débutants que un public de traders confirmés. Néanmoins, je pense que ça va intéresser bon nombre d'entre vous, quel que soit votre niveau. Ça fera un petit rappel et surtout, ça va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour un trading lorsque vous avez parfois quelques doutes sur certaines positions. Et c'est très important, surtout dans la période actuelle, de se donner beaucoup de confirmations dans son trading pour ne prendre aucun risque, en tout cas les diminuer au maximum. Alors avant de commencer, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît, et également à me faire part de vos remarques et commentaires, et à mettre des pouces, si vous aimez les contenus. Merci beaucoup, à tout de suite. Alors je vais commencer par une petite citation que j'aime beaucoup de Jesse Livermore, qui est un excellent trader américain qui a fait fortune, je crois, dans les années 50, 60, qui a fait plusieurs fois fortune, qui s'est retrouvé sur la paille, etc. Bref, il a une histoire assez atypique, je vous encourage à la lire sur Wikipédia. La citation est la suivante: j'ai plus gagné d'argent en attendant la bonne opportunité avec toutes les chances de mon côté qu'en tradant tout et n'importe quoi. Vous voyez, en fait, le trading, il n'a pas pris une ride depuis 50 ans. Vous avez des principes qui sont toujours d'actualité. Ça ne changera absolument jamais. Pour gagner de l'argent, eh bien, en fait, il faut attendre des bonnes opportunités. On gagne plus d'argent en attendant les meilleures opportunités, celles qui sont en or, plutôt que bien de se jeter, de tirer plus vite que son ombre, de se jeter sur tout et n'importe quoi. Et donc ça, Jesse Livermore l'avait déjà bien bien compris à son époque. Je vous encourage à faire de même, et ça va être également le thème de notre cours, puisque nous allons voir comment trader dans la tendance, et avec des petits trucs et astuces qui permettent de se dire, voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour mon trading. Donc c'est un cours qui s'adresse pas que aux scalpeurs. Normalement je fais des vidéos sur le scalping, mais je suis également un trader sur des unités de temps beaucoup plus larges, puisque j'aime également investir en actions, investir en crypto. Donc je le fais bien sûr moins souvent, mais j'ai toujours des lignes de portefeuille que j'investis dans du trading plus long terme. Voilà, et bien sans plus tarder, on passe sur le contenu. Première question, dites-moi, lorsque vous tradez, est-ce que parfois vous avez la sensation que vous entrez en position et là le prix reflue très sévèrement, et donc ça vous fait douter? Lorsque vous tradez, est-ce que vous recherchez absolument le meilleur moment pour entrer en position et ainsi donc optimiser votre temps d'exposition au marché? Lorsque vous tradez, est-ce que vous avez toujours en tête d'optimiser votre taux de réussite? Dans tous les cas, il faut se poser la question de la tendance. Et donc dans ce petit tutoriel, en fait, je vais vous montrer quelques moyens pour la déterminer et pour s'assurer qu'on est toujours dans le bon sens, et donc ainsi maximiser nos chances de gain. À présent, je vais énoncer quelques principes sans plus tarder. Donc ça, c'est vraiment la partie théorique, elle va durer même pas 3 minutes. J'énonce les principes et ensuite on va passer sur les graphiques pour vous montrer exactement de quoi on parle. Il y a trois principes très simples à voir, je vous les donne déjà maintenant. Le premier principe, c'est d'utiliser en fait une moyenne mobile. Très simplement, utiliser une moyenne mobile, je vais vous montrer comment l'utiliser avec le logiciel ProRealTime. Donc moi, je me suis un petit peu spécialisé sur ProRealTime. On pourrait le faire avec absolument n'importe quel outil, que ce soit TradingView, MetaTrader ou d'autres. Donc si on parle d'un scalper, en 1 minute, ou en 100 ticks, ou en 70 ticks, ou en 21 ticks, il va regarder la tendance via les moyennes mobiles. C'est déjà en fait un premier élément. Le deuxième élément que j'utilise beaucoup, comme vous le savez maintenant, c'est les points pivots. Je suis un grand spécialiste des points pivots. J'utilise les points pivots pas uniquement pour mes stratégies, mes patterns de scalping. Je l'utilise, peu importe d'ailleurs mes stratégies, je l'utilise aussi beaucoup pour déterminer la tendance. Alors c'est un petit peu redondant avec la moyenne mobile, mais en fait on peut utiliser les deux. On peut avoir une moyenne mobile de fond, donc long terme, et également regarder en fait au jour le jour avec les points pivots la tendance du jour.
ou vice-versa, avoir en fait des moyennes mobiles très très rapides, c'est-à-dire sur très très peu de périodes, et regarder une tendance de fond long terme grâce au point pivot, donc un point pivot par exemple mensuel avec une moyenne mobile par exemple sur 20 périodes, sur une unité de temps, je ne sais pas, une heure, vous allez avoir déjà une indication en fait de la tendance. Donc en fait, on peut soit utiliser l'un et l'autre dans le même sens, sur les mêmes unités de temps, mais le mieux c'est effectivement d'avoir par exemple une moyenne mobile de fond et un point pivot pour avoir la tendance du jour. Ça, c'est ce que je préconise. Donc c'est mon deuxième moyen pour connaître la tendance. Le troisième moyen, c'est d'observer en fait la tendance des trois unités de temps supérieures par rapport à l'unité de temps que vous utilisez dans votre trading. Ça peut paraître évident, mais utiliser la convergence, c'est un terme que je n'ai pas inventé, qui existe. La convergence des unités de temps, c'est un moyen très efficace pour s'assurer en fait d'être dans le bon sens de la marche, comme on dit, pour votre trading. Je rajouterai un petit point par rapport à ça. Pourquoi la convergence marche? Et après, en fait, on passe sur les graphiques. Très simplement, bien parce que la convergence va être la croisée des chemins. Ça va être le point de rencontre de plusieurs traders. Par exemple, si vous êtes un trader qui trade sur des unités de temps 5 minutes, vous allez utiliser la convergence pour vous assurer en fait de la tendance, la convergence de quoi? De tendance, pour avoir une idée de la directionnalité pour votre trading du jour. Par exemple, je trade donc, mettons en intraday, ça veut dire sur une unité de temps 5 minutes ou 15 minutes. Je vais afficher les unités de temps donc 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, peut-être aussi daily. Et ça va me montrer effectivement dans quel sens on est en train d'aller. Est-ce que c'est plutôt à la hausse ou à la baisse? Quand on a une convergence, mettons, je suis à l'achat, je vois une tendance, donc un mouvement haussier en journalier, en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 15 minutes et en 5 minutes, ça donne en fait précisément un point de rencontre entre plusieurs en fait types d'investisseurs. Vous avez des investisseurs long terme. Warren Buffett ne fait pas de scalping. Warren Buffett, pour lui, son unité de temps, ça va être du journalier vraiment au mieux, voire du hebdomadaire ou du mensuel. Donc quand vous avez différents investisseurs qui se positionnent en fait dans le même sens, ça veut dire que ben, vous avez des traders long terme, des investisseurs plutôt long terme, des swing traders, des day traders et des scalpers qui utilisent le marché en tout cas au même moment, dans le même sens. Et donc il faut utiliser ce point-là de rencontre comme une chance pour maximiser finalement ses chances de gain en trading et en plus en scalping. Sans plus tarder, maintenant on passe sur les écrans. Assez de blabla, je vais vous montrer donc chacun de ces points sur un graphique. A tout de suite. Alors nous voilà sur un graphique, j'ai choisi le Dow Jones, je suis sur un graphique donc Pro Real Time, sur un compte démo si je ne m'abuse. Voilà, donc vous avez en fait un graphique, le Dow Jones, en unité de temps 5 minutes, peu importe l'unité de temps que je vais choisir, j'ai choisi la 5 minutes parce que je vois, bon, il y a pas mal de bruit, pas mal de bruit. On n'a pas forcément une idée logique en regardant ce graphique-là. En fait, cette tranche de prix, on n'a pas forcément une idée absolument convaincante de la direction qu'est en train de prendre le prix. Donc, je vous propose d'appliquer le premier principe qui est d'utiliser une moyenne mobile pour se forger quelques convictions sur la tendance. En fait, en tout cas, une première indication de tendance. Donc, ce que je vais faire, je vais aller donc dans les options du graphique et afficher la moyenne mobile. D'abord, voyez une petite chose, les bougies que j'affiche sont des bougies Ekanashi, donc ce ne sont pas des chandeliers japonais, peu importe, on peut afficher ça en chandelier japonais ou bien en Ekanashi sans problème. Je pourrais rebasculer d'ailleurs en chandelier japonais qui est plus standard. Voilà, donc là je suis en chandelier japonais. Je vais donc afficher maintenant donc la moyenne mobile. Très simple, je clique sur la petite clé ici, ajouter indicateur. Je vais bien sûr donc soit sélectionner mes indicateurs favoris, puisque voilà, la moyenne mobile il était déjà là, ou bien le taper. Alors on va le taper, moyenne mobile, vous voyez, M, tout de suite j'ai l'indicateur qui vient. Moyenne mobile, on va le mettre par exemple sur 200 périodes. Pour reprendre l'idée que j'énonçais tout à l'heure, donc
On va l'afficher un peu plus, entrer un peu plus gros et par exemple la mettre en bleu. Voilà. Donc là, j'ai une moyenne mobile de 100 et ce que j'expliquais, voilà, donc je prends une moyenne mobile sur 200 périodes puisque je suis sur une unité de temps qui est très très faible, 5 minutes. Je peux avoir beaucoup de bruit, donc je vais déjà en fait me donner en fait une idée de la directionnalité sur un horizon de temps qui est le plus grand possible pour ma moyenne mobile, pour me donner déjà en fait voilà, une directionnalité. J'ai un prix qui est relativement horizontal, vous voyez. Avec une légère en fait hausse, je vois qu'en revanche, par rapport à une moyenne mobile de 100, je vois que ben, y a moins de, y a moins d'hésitation. On est vraiment sur une tendance donc haussière sur les 200 périodes précédentes. Donc, on peut également enrichir cette moyenne mobile d'une autre moyenne mobile. Vous pouvez faire en fait un copier-coller de moyenne mobile, dupliquer, voilà, et mettre par exemple une moyenne mobile 100 entrée. On va mettre par exemple en rouge et ça va vous donner donc sur les 100 dernières périodes en fait la tendance. Donc vous voyez que par exemple là je suis dans un fléchissement du prix. Donc on a un point de croisement de la moyenne mobile 200 avec la moyenne mobile 100. Donc est-ce qu'on va les descendre, monter? Dans tous les cas, ici, on est sur 200 périodes plutôt en fait à la hausse, mais le prix est sous les moyennes mobiles. Donc c'est pas génial. Normalement, on aime quand le prix est au-dessus des moyennes mobiles ben, pour prendre en fait un trade à la hausse. Parce que là, je peux ni prendre un trade à la baisse, donc à la vente, ni prendre un trade à l'achat. Pourquoi? Parce que globalement, je suis sur une moyenne mobile qui est très pentue, enfin relativement pentue. On est plutôt en train de, on est en train de monter, donc on ne peut pas vendre. Et néanmoins, on ne peut pas non plus acheter, puisque pour acheter, il faudrait qu'on soit au-dessus, que le prix soit au-dessus des moyennes mobiles de 100 et 100. Je vais afficher une troisième moyenne mobile. Dupliquer. 50. On va l'afficher en mauve par exemple. Voilà, donc là j'ai la moyenne mobile 50 périodes. Donc vous voyez, il y a des moments où le prix est au-dessus de ces trois moyennes mobiles. Ce sont des moments qui sont qu'il faut exploiter. Par exemple, en l'occurrence, si je regarde le temps réel, donc voilà, sur les 50 dernières périodes, là on est un peu au-dessus de la moyenne mobile. Alors ça pourrait être un indice pour prendre un petit trade, mais globalement on est encore dessous la moyenne mobile de 100 et 100, donc c'est pas recommandé. Vous avez des moments où on est au-dessus de ces trois moyennes mobiles, pardon. Donc par exemple ici, si je trace un petit cercle, là nous avons franchi en fait à la hausse la dernière des plus rapides des moyennes mobiles. Donc là on est au-dessus des trois moyennes mobiles, hop, achat. Donc achat, là on repasse en fait au-dessus, pareil, on a un point d'achat. Après effectivement, il faut regarder les volumes, c'est juste je donne un petit peu les grandes directions. Pareil, ici on pourrait se dire qu'on a un point d'achat et ici on a un point d'achat. Voilà, donc ça c'est une stratégie de trading très simple, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand le prix est au-dessus donc de plusieurs moyennes mobiles. C'est souvent des bons points pour acheter, puisqu'on a une convergence également de facteurs. Voilà, donc ça, je dirais, c'est le premier élément, c'est la détermination de la tendance via la moyenne mobile. Là, on est sous les moyennes mobiles d'une tendance qui est haussière en 5 minutes, donc ben, pas d'achat du tout. Par contre, vous aviez des achats à prendre très intéressants, comme je viens de vous le montrer précédemment. Maintenant, nous allons supprimer ces moyennes mobiles. Je vais vous montrer. Alors, je les supprime pour ne pas surcharger le graphique. Je vais vous montrer maintenant un deuxième indicateur qui est le point pivot. Le point pivot. Voilà. Point pivot. Donc là, j'ai affiché en fait les points pivots journaliers. Je pense que c'est suffisant puisque nous sommes sur une unité de temps 5 minutes. Donc le point pivot journalier, c'est la moyenne en fait du prix sur la journée précédente. Ça veut dire sur la journée d'hier. Donc en fait, c'est la moyenne du prix sur la journée d'hier. Si on regarde un graphique en 5 minutes pour avoir toute la journée, donc on va essayer de faire ça.
voyez, vous avez, si je dessine en fait un rectangle de la journée d'hier à aujourd'hui, on va dire donc de 9h. Alors, je suis sur le Dow Jones, hein, donc là c'est l'heure française. On va regarder donc plutôt sur un horizon de temps quand on a démarré, donc c'est 15h30 ou 16h, 15h30, je pense, heure française. Donc voilà, c'est la moyenne du prix sur cette, dans cet encadré-là. Et donc vous voyez, en fait, la moyenne du prix globalement, c'est sur la journée d'hier, eh bien, donc c'est ce niveau-là. Donc le prix a été relativement plus souvent en fait à ce niveau-là, même s'il a fait des petites pointes, des extrêmes en fait bien au-dessus et bien en dessous. Globalement, il a été majoritairement en fait à ce niveau-là de prix qui est indiqué. Vous voyez donc un plus bas ici, ici, ici. Vous voyez qu'il a été quand même fréquenté ce niveau-là relativement souvent. Et donc le plus souvent finalement le prix a été à 7 à ce niveau-là, donc les 23 820, voilà. Donc ça nous donne déjà en fait un premier élément, le point pivot journalier. Pourquoi c'est important ça? En fait, ça va nous donner une tendance. Si le prix est au-dessus du pivot journalier, nous sommes en tendance donc haussière en unité de temps 5 minutes. Si nous sommes en dessous du point pivot journalier, c'est une tendance donc baissière. Donc il faudra chercher des points de vente. Donc là, moi, mon discours, c'est de trader la tendance. Donc on a vu avec les moyennes mobiles qu'on était plutôt sur une tendance qui était haussière. Donc on va chercher plutôt des achats. Et ces achats, on va les confirmer que si nous sommes bien au-dessus du pivot journalier. Donc au minima, il va falloir être au-dessus de cette ligne-là, au-dessus des 23 820. Comme on voit, en fait, on a plutôt tendance à travailler sur ce pivot journalier-là, voire même à le breaker. On est plutôt dans une tendance, en fait, depuis le début de la journée, qui est en train de, le prix est en train de s'affaisser après une hausse vendredi et une ouverture dimanche en hausse également. Donc là, on est plutôt en train de, pardon. Donc là, effectivement, on est plutôt en train de, le prix est en train de s'affaisser, on est plutôt en train de baisser. Donc moi, je vais plutôt attendre des signes évidents de reprise de hausse pour prendre des trades donc à l'achat. Maintenant, nous allons regarder le troisième point, la convergence des unités de temps. Pour ce faire, je vous ai préparé six graphiques. Il n'y en a pas besoin d'autant, mais je pour expliquer effectivement le principe, ce sera plus simple. Six graphiques, vous avez d'abord le 5 minutes par ici. Ça, c'est le graphique que nous avions tout à l'heure. Alors, j'ai tout enlevé, hein. J'ai enlevé les points pivots, j'ai enlevé les moyennes mobiles. Le 5 minutes à gauche, le 15 minutes, le 1 heure, et ensuite le 2 heures en bas à droite, le 4 heures ici, et l'unité de temps journalière. Je suis un trader, mettons intraday, en 5 minutes. Je cherche à avoir la tendance du jour. Comme nous l'avions vu ensemble, au niveau des moyennes mobiles et au niveau du point pivot, on est plutôt en train de baisser. Donc effectivement, en 5 minutes, je ne prendrai pas des achats. Pourtant, effectivement, quand on regarde en journalier, on est en train de rebondir. En 4 heures, c'est en nette hausse. En 2 heures également, en nette hausse. En 1 heure, on est en train de monter. Par contre, en 15 minutes, c'est un peu plus, voyez, c'est un peu plus mitigé. On a une baisse et une énorme hausse qui a été annulée là ce matin. Et là, en 5 minutes, on voit que du rouge, des bougies en train de baisser. Mon point, c'est de voir la convergence des UT. Donc, on voit là, sur cet exemple précis, si je me positionne à l'instant T, que je ne peux pas prendre de trade puisque je n'ai pas de convergence. C'est-à-dire que en 5 minutes, je suis en train de baisser. En 15 minutes, on va dire que c'est une tendance neutre. Et en 1 heure, je suis en train de monter. Donc, vous voyez, il y a en fait une discordance de tendance. Donc, je ne peux pas prendre de trade en respectant ce principe-là. En revanche, si je regarde des positions dans le passé, des moments du passé, on va se positionner sur un exemple. Par exemple, je me mets le mardi 14 avril à 14h30. Je vais me mettre par exemple comme ceci. Ben, on va récupérer en fait, on va prendre le rond. En fait, on a vu qu'il y avait un point d'achat par ici. On va vérifier si c'est un bon moment, donc après cette bougie. Donc on va se mettre, mettons par ici. Juste après cette bougie. La bougie a clôturé à ce niveau-là.
À ce moment-là, nous étions donc au-dessus des 3 moyennes mobiles 200, 100 et 50. Donc, mardi 14 à 16h30, après l'ouverture du marché américain. Donc, voilà, c'était pareil. Par ici, 16h30, j'ai dit. Voilà, donc là, on est Paris. Si. Mardi 16h30, nous étions par là. 16h, voilà, par là, là c'est 17h, 16h, 17h. Nous étions donc, la bougie 17h n'était pas terminée. Voilà. Et donc mardi, voilà, on était à peu près par là. Donc, sur cette bougie-là, par exemple, je me suis replacé en fait à un moment où voilà, là on avait possiblement un achat suivant les moyennes mobiles, mais disons si à ce moment-là j'avais voulu prendre un trade juste en mettant mes moyennes mobiles et pour me donner en fait une confirmation en appliquant le troisième principe, le principe de convergence, est-ce que j'aurais pu prendre ce trade? La réponse est oui, parce que sur l'unité de temps 5 minutes, vous voyez. Vous êtes en fait en train, c'est votre unité de temps de travail, vous aviez la convergence, d'accord? Si on regarde en unité de temps 15 minutes, vous voyez nettement, donc sans afficher les moyennes mobiles, que vous êtes quand même nettement donc sur une tendance qui est haussière. On pourrait les afficher, on pourrait afficher le point pivot, mais là je pense que c'est très très visuel, très, très évident. Également en 1 heure, vous voyez, on est en train de monter. En 2 heures, on est en train de monter, en 4 heures, on est en train de monter, et en journalier, en fait, même si globalement c'est une tendance qui est baissière, hein, depuis l'épisode sanitaire Covid-19, on est quand même sur un rebond très important. Donc on est en train de rebondir sur à peu près, on est en train d'annuler 50% de la baisse, avec un objectif à 25 000 très très évident. 24 000, 24 000, on les a déjà franchis, donc 25 000. Donc on voit que là, sur ces différents facteurs-là, j'ai regardé une convergence sur plus d'unités de temps que 3 unités de temps supérieures. Hein. Là, on est sur 1, 2, 3, 4, sur 5 unités de temps au-dessus de notre unité de temps de trading. Donc sur 6 unités de temps en tout, vous avez en fait une convergence de tendance. Donc pour ces raisons-là, j'aurais effectivement pris un trade à l'achat. Et on voit qu'effectivement, là, on déroule bien correctement notre trading. Évidemment, donc il faut viser des niveaux de résistance très forts. Par exemple, 24 000, c'était un objectif, donc une résistance sur laquelle vous pouviez vendre et sur laquelle finalement beaucoup d'investisseurs, de traders ont vendu, puisque vous voyez donc un reflux, deux reflux, trois reflux, et là, voilà une belle correction. Voilà pour cette histoire de convergence des unités de temps pour améliorer votre trading. Maintenant, je vais traduire tous ces graphiques-là en unités Kenashi pour vous montrer la différence. Voilà, après quelques petites manipulations pour vous épargner le temps de le faire, en Ekenashi, en fait, vous avez des graphes beaucoup plus épurés. Vous avez un peu plus de bougies vertes quand on est en tendance haussière et un peu plus de bougies rouges, un peu plus de couleur rouge quand on est en tendance baissière. Donc ça permet effectivement, moi, Ekenashi, ça me permet de lisser le signal, de faire des signaux de prix, des lignes de prix un peu plus propres. Hein, et vous voyez un petit peu donc la différence. On voit très bien. Honnêtement, là sur les graphes, là 2 heures, 4 heures, 15 minutes, on voit très bien donc cette surabondance de bougies vertes par rapport au nombre de bougies rouges. Et donc ça nous donne un indice clair sur la tendance. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à le commenter, à me poser vos questions via les commentaires YouTube, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao!